Tu peux accéder à la boîte depuis ton téléphone, faut juste aller dans les appels. Oui, sauf que c'était possible dans la route pacifiste et la route neutre. Rappelez-vous, jeunes gens, vous qui n'avez pas suivi la session numéro 3, Alphys n'était pas présente car oui, nous avons tué Endine et le temps de tuer Endine, tout le monde a fui. Et oui, Jamy, ce qui veut dire que vu qu'on n'a jamais rencontré Alphys, on n'a jamais eu l'upgrade et donc on n'a jamais eu le téléphone boîte dimensionnelle. Et voilà, c'est très promotionnel. On se retrouve ce soir, jeunes gens, pour la quatrième session sur Undertale. Nous sommes toujours sur la route génocide. On avait tué Metaton Neo, comme certains ne le pensent pas, car oui, son nom est Metaton Neo et pas Metaton X, comme toutes les autres routes. Dans l'épisode précédent, enfin dans la session dernière, et d'ailleurs, petit fail de votre part et de ma part, puisque je me suis préparé comme un bourrin, je me suis chauffé mentalement, et il se trouve que le boss était truqué. Voilà, c'était un boss que tu pouvais one-shotter. C'était pas le meilleur boss que j'ai vu, je l'avoue. En tout cas, on s'est préparé un petit inventaire de qualité. Je vous montre ça tout de suite avec morceau de bonhomme de neige x2, tarte de caramel x1, héros légendaire x2, parce que moi j'ai des héros dans chaque poche. J'ai Saitama et Goku, voilà pour ceux qui veulent savoir. Les fameuses nouilles instantanées. Alors apparemment, on m'a dit que c'était intéressant de les avoir pour le combat de boss. Et un steak visage. Alors voilà, là vous allez me dire, j'ai 7 objets dans mon inventaire. Ça veut dire qu'il me reste une place quelque part. Mais on m'a dit que j'allais récupérer quelque chose, donc c'est pour ça que je laisse une place. On est parti, stade la modo. Ouais. T'es prête? Go! Genki détermination, en avant vers l'aventure. Allons croiser le fer avec le boss final. D'ailleurs, ce qui est vachement bien dans cette phase, c'est que normalement, on a une longue discussion avec Alphys si on fait la route neutre ou pacifiste, et en l'occurrence, on ne l'a pas. Et ça, c'est bien. C'est parti. Ah, mais du coup, il n'y aura pas de monstre pour nous raconter la petite histoire du monde. Donc, on va foncer directement vers le boss. Ouh, je la sens... Ah oui, je me demande comment va être le... Comment on peut appeler ça cette phase où on arrive devant Sense et il nous juge, on appelle ça une mise à l'épreuve. Enfin, je sais pas exactement le mot que je cherchais, enfin, pas le terme, mais... Bref, je sens que ça va être technique. Je sens qu'il va pas être très content de ce qu'on a fait. Je sens un combat contre Sense. Je vais pas vous mentir. Étrangement, c'est, je crois, le seul véritable personnage qu'on ait jamais affronté, qu'on ait jamais vu au combat, et pourtant... Je le sens. Je le sens très très fort même. Je serre les fesses à tel point que je crois que je vais faire un trou dans le mur. Aïe. D'où ça va vers le haut maintenant? Ça allait vers le haut avant? Ça allait pas vers le haut avant? Si? Oula, ça a changé. Oh, ça a changé. Ok, je suis pas fan. Non, je suis pas fan de l'idée. J'arrive devant une petite maison qui ressemble à celle de Toriel. J'ai l'impression d'être revenu dans les ruines du début. Là, je suis pas fan. Ah oui, en plus, on doit revoir Flowey normalement à un moment. Très intéressant cette histoire. Nous rappelons que le Kazma, c'est pas du tout ce qui va se passer dans cette route. C'est de la totale découverte, encore une fois. C'est le troisième LP que je fais et j'adore toujours autant ce jeu. 5€ rentabilisé comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Enfin, quand on s'appelle Kazma, ça arrive assez souvent. Voilà. Bref, vous êtes chaud patate. Je sens qu'une fois rentré, c'est la mort assurée. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Bonsoir à ceux qui arrivent. On est parti, je sais pas du tout à quoi ma... Ok, je m'attendais à quelqu'un, mais du coup il y a pas Sense. Du coup il y a personne. Oh, des cadeaux! Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet. Oui, voulez-vous ramasser cet objet? Je dis oui! Mais attends, il y a pas quelqu'un justement qui m'avait parlé d'un médaillon et d'un couteau? Un couteau dans la boîte. Du coup je sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de garder une seule place, parce que là j'ai besoin de deux places. Et oui les amis. Alors attendez, on va déposer le steak visage. Alors je pense que le médaillon et le couteau, c'est le meilleur stuff, honnêtement. Allez, donne-moi ton couteau. Merci. Vous obtenez le vrai couteau, oh là là. Le couteau de boucher, fais voir un peu. Vrai couteau, arme attaque 99. Oh j'équipe. Oui du coup, il rentre. Ouais. Ok. Oh j'équipe. Je me sens Serial Killer, je me sens Mirai Nikki là pour ceux qui connaissent. Pièce en rénovation, rien à péter. Coucou Kazma. Te revoilà enfin à la maison. Tu te souviens quand on jouait ici? Hihihi, la vache. Aujourd'hui ça sera tout aussi amusant. Ah c'est badant un peu quand même. Non parce que déjà je m'attendais pas à un combat hein, honnêtement. Parce que j'ai un peu tué tout le monde et les seuls survivants ont fui. Le monde, mais ouais, c'est badant. Je m'attendais à quelque chose dans le miroir. On te dit d'observer les meubles.
Les meubles? Les meubles? D'observer les meubles? Rien d'utile. Oula! Je psychote. Il a toujours ce pull. Ta 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 ta! Ça dit toujours la même chose. Hé hé! Le miroir. Le miroir? Mais justement, je me suis regardé dans le miroir. Ah, il faut parler au miroir. C'est moi, Kazma. Attention, là, il y a le mental qui commence à jouer. Il y a le cerveau qui se retourne, peut-être quelque part. Il se passe beaucoup de choses. Alors peut-être que c'était le miroir juste avant l'escalier qui mène en contrebas. Le miroir. Mais il y a tout le monde qui s'excite au miroir, calmez-vous. Parlez devant le miroir. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Du calme. Je me souviens de mon premier réveil dans le jardin. J'avais tellement peur. Je ne sentais plus ni mes bras, ni mes jambes. Mon corps entier s'était transformé en fleurs. J'ai crié « Maman, maman, papa, à l'aide !» Mais personne n'est venu. Tintatatin. Tintatatin. Attendez, parce que je sais que vous me dites de faire plein de choses juste avant. Je veux déposer ça et récupérer. Je l'ai mis où? Ah, mais je l'avais encore sur moi, le médaillon. Je suppose que 99 de défense. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est l'amulette du dragon. On dépose donc ça. Parfait. Je reprends donc du coup le héros légendaire et le Glamburger. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Dernière petite sauvegarde avant la fin du monde. On lui expliquera après la fin du jeu. Calmez-vous dans les explications. Mais oui, calmez-vous. Je sens que ça va spoiler de ouf là. Les mecs qui sont là, ouais, moi je connais. Ah mais je les sens tous tendus. Vous êtes des vrais strings sur pattes. Mais c'est terrible. Mon lit. Son lit. De regarder le dessin. Nos vêtements. Ce dessin? Mon dessin. Alors, théorie fumante qui vient d'arriver en une seconde top chrono et qui pourrait amener à plein d'autres trucs. C'est pas moi, Flowey, par hasard? Non, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais c'est pas moi, Flowey, par hasard? C'est une fleur dorée. Alors, je sais pas s'il y avait un autre dessin dans l'autre chambre. Ah, si, quand même. C'est une fleur dessinée avec des nouilles. Oh, mon Dieu, pour le roi des papas. Trop bien. C'était pour le roi Asgore. Déglingue. Alors, mon dessin, son sang. Dring, dring, I'm a string. 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 Le roi finit par me trouver en train de pleurer dans le jardin. Je lui ai alors expliqué ce qui m'était arrivé. Il m'a pris dans ses mains, Kazma. Et il m'a soulevé les larmes aux yeux et m'a dit « Allons, allons, tout ira bien. » Il était si émotif, mais pour une raison que j'ignore, je ne ressentais rien du tout. Oh mon Dieu, c'est froid. La clé! Ah, attendez, on m'avait dit de faire quelque chose une fois arrivé dans cette maison. Pas de chocolat. Je pensais que j'allais avoir droit à une blague sur les bras, mais... Il y a des poils... Oh non, pas encore. Il y a encore des poils blancs au fond de l'évier. C'est dégueu. On sait pas si c'est les poils de moustache de Toriel ou si c'est celle d'Asgore en plus. C'est ça qui est terrible. Bon, voilà. Bien sûr que j'ai vu SDF. J'ai vu SDF et la chanson et le remix et la reprise de... comment il s'appelle, Stal? Tomska. Merci, la reprise de Tomska. J'ai déverrouillé la chaîne. Ah, je m'attendais à quelque chose dans le miroir, j'avoue. On est bon, du coup. Pas de bras, pas de chocolat. Je pense qu'on est bon. Oula. J'ai rapidement compris que je ne ressentais rien pour personne. Ma compassion avait disparu. Et crois-moi, c'était pas faute d'avoir essayé. J'ai passé des jours avec ce roi stupide, espérant ressentir quelque chose. Mais en vain, c'en était devenu trop pour moi. Je me suis donc enfui d'ici. Comment t'as fait sans bras et sans jambes? T'étais en train de dire toi-même que tu pouvais rien faire. Comment t'as fait pour fuir? Au bout d'un moment, j'ai atteint les ruines. À l'intérieur... Quoi? T'as dit quelque chose? Non. Ah, j'ai entendu une voix. À l'intérieur, je l'ai trouvé, Kazma. Je pensais qu'elle au moins pourrait me rendre de nouveau moi-même. On parle de Toriel ou... Elle n'a pas réussi. Je pense qu'on parlait de Toriel. Les ruines, elle, je pense que tout mène à peu près à Toriel. J'ai compris qu'ils m'étaient tous les deux inutiles. J'étais déprimé. Je voulais juste aimer quelqu'un. Je voulais juste que quelqu'un me tienne à cœur. Kazma, ça va peut-être te sembler difficile à croire, mais...
J'ai décidé que ça ne valait plus la peine que je vive. Pas dans un monde sans amour. Pas dans un monde sans toi. Donc, j'ai décidé de suivre ton exemple. Et de mettre fin à mon existence. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Quoi? Quoi? C'est en train de péter un plomb dans le chat, là. Ça parle de Bibi Pie Machine, de chocolat, de pas de bras, de... On part un peu loin. Bonsoir aux personnes qui arrivent du coup, hein. Installez-vous tranquillement, pépèrement. Là, on est sur la phase d'explication pour les personnes qui découvrent comme moi la route génocide. C'est terrible de chez terrible. Mais en quittant les trains de cette vie, j'ai commencé à m'interroger. Et si on n'a pas d'âme, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose d'instinctif a commencé à brûler en moi? Non, je me suis dit, je ne veux pas mourir. Puis je me suis réveillé, comme si ça avait été qu'un cauchemar. J'étais de retour dans le jardin. De retour à mon point de sauvegarde. Ok, vous m'expliquez après, pas de problème, hein, on en débat autant que vous voulez. Là, je veux comprendre petit à petit. Pas dans un monde sans Sean Kasma. Intéressé, j'ai décidé d'expérimenter. Quoi? Encore et encore, je me suis amené au bord de la mort. À n'importe quel instant, j'aurais pu laisser le monde continuer sans moi. Est-ce que c'est un peu l'idée même de ce qu'on est en train de vivre depuis le début, à savoir l'éternel recommencement, on revient encore et toujours parce qu'on a la save en fait? Est-ce que ce serait pareil pour Flowey? Mais tant que j'étais déterminé à vivre, je pouvais revenir en arrière. Incroyable, n'est-ce pas? J'étais stupéfait moi aussi. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Les explications expliquées, incroyables. Au début, je me suis servi de mes pouvoirs pour faire le bien. Je suis devenu ami avec tout le monde, j'ai résolu tous leurs problèmes. Leur compagnie m'amusait. Pendant un moment. À chaque retour, les gens se montrèrent plus prévisibles. Que dirait cette personne si je lui donnais ça? Qu'est-ce qu'elle ferait si je lui disais ça? Une fois que tu connais la réponse, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Non, c'est tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils sont? Je crois que c'est tout ce qu'ils sont. Attends, il est en train de dire que du coup, à chaque fois qu'il revient à la vie, donc avec son fameux point de sauvegarde, comme moi, hein, il revit les mêmes actions et du coup, les mêmes dialogues, les mêmes histoires, les mêmes personnes, en fait, il vit toujours la même chose. Il est coincé dans un temps infini? Bah comme un joueur en fait. C'est moi, Flowey, c'est moi. Attendez, je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger. Tout a commencé parce que j'étais curieux. Curieux de savoir ce qui se passerait si je l'ai tué. Je n'aime pas ça, je me suis dit. Je fais juste ça parce que je dois savoir ce qui va se passer. La belle excuse. Tu sais mieux que quiconque le bien fou que ça fait. Et on va toujours mieux que ces barjots qui restent là, regardez. Ces gens pitoyables, trop faibles pour se salir les mains eux-mêmes. Je parie qu'une telle personne est justement en train de regarder en ce moment. De qui, moi? Moi, Stal? Les gens qui regardent là en live? C'est ça l'idée en fait. Non, je suis en train d'avoir une discussion avec moi-même et Flowey. C'est perturbant. Mais maintenant, même ça, c'est devenu lassant. Tu comprends? Kasma. J'ai vu tout ce que ce monde avait à offrir. J'ai lu chaque livre, j'ai brûlé chaque livre. J'ai gagné à chaque jeu, j'ai perdu à chaque jeu. J'ai apaisé tout le monde, j'ai tué tout le monde. Série de chiffres, lignes de dialogue, j'ai tout vu. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, je n'ai jamais pu te prédire, Kasma. Parce que je suis un joueur. Et c'est ça la révélation. C'est ça qui est très intéressant. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quand on s'est croisé dans les ruines, je n'ai pas pu te reconnaître. J'ai pensé que je pouvais te faire peur, puis voler ton âme. J'ai échoué. Et quand j'ai voulu charger ma sauvegarde, ça n'a pas fonctionné. Kasma. Ta détermination, pour une raison que j'ignore, elle surpasse la mienne. Oh my god, oh my god, oh my god. La route s'est un peu rallongée, on remarque. Je n'ai qu'une question à te poser, Kasma. Comment as-tu fait pour revenir aux ruines depuis ici? Attends, je sais! Elle a dû t'amener quand elle est partie. Elle a décidé de te donner un enterrement digne de ce nom, plutôt que de te laisser traîner dans ce sous-sol pour toujours. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller? Tu m'as entendu t'appeler? Ouh, il y a beaucoup trop de théories dans ma tête, ça fume, ça fume. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour rester déterminé. Tout à fait, c'est magnifique. Kawaii qui gère trop bien son boulot. Peu importe, je n'en peux plus. Kasma, j'en ai assez de tous ces gens. J'en ai assez de tous ces endroits. J'en ai assez d'être une fleur. Kasma, il y a juste une dernière chose que je veux faire. Finissons ce que nous avons commencé. Libérons tout le monde. Et ensuite, laissons-les voir le vrai visage de l'humanité. Voir que malgré tout, dans ce monde, c'est toujours tuer ou être tué.
Moro. Moro. Moro, c'est un serial killer. Bien. Mais non, c'est un serial killer. Il est mignon le jour, il est terrifiant la nuit. Et après, eh bien, j'ai réfléchi à plusieurs façons d'utiliser ce pouvoir. Hi hi hi. Mais te voir ici m'a fait changer d'idée. Kazma, je pense que si tu es là, vivre à la surface n'est peut-être pas si mal. Je comprends pas. Est-ce qu'on est en train de repartir dans la route pacifiste? Est-ce que quelque part c'est encore une fin honnête, une fin bien qu'on est en train de montrer ou quoi là? On dirait Bolmenon à des moments Kazma. Ah bon? Dans les mimiques peut-être? Bah, j'ai toujours eu des mimiques, aussi loin que je m'en souvienne. On n'a même pas besoin de partir pour en trouver cette fois. Le roi en garde s'y enferme. Quoi? Le roi en garde 6 enfermé dans un coin. J'ai essayé des centaines de façons différentes pour qu'il me les montre. Mais il ne veut vraiment pas. Kazma, je sais qu'il le fera pour toi. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Pourquoi je te raconte tout ça? Kazma, je l'ai dit tout à l'heure. Mais même après tout ce temps, il n'y a vraiment que toi qui puisse me comprendre. Tu n'auras aucune pitié inutile. Tu n'auras aucune pitié inutile. Ouh, ça fait mal comme phrase. Ils veulent te briser. Ah mais carrément! Là, il y a shish kebab. Shish kebab. Des créatures comme nous n'hésiteraient pas à s'entretuer si elles se barraient à chacune la route. Alors c'est pour ça que... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tremble? Eh, Kazma, sans rancune, hein, pour la dernière fois. Qui se passe? Eh, qu'est-ce que tu fais? T'approches pas! Attends, on est en train de tuer Flowey? J'ai changé d'avis à propos de tout ça. C'est plus une bonne idée. Tu devrais repartir, Kazma. Cet endroit est très bien comme il est. Arrête avec cette tête flippante! C'est pas drôle! Ça tourne vraiment pas rond dans ta tête! Ah, c'est le psychotage à mort là! Waïaïaïaïaï, voilà le village, bienvenue à ceux qui arrivent, c'est le bordel comme jamais! On est au bout de l'aventure, attention, no spoil, c'est de la totale découverte, et là on est... à fond! Bon, on a un coffre pour du matos, alors je crois pas que ce coffre était là avant, donc honnêtement il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et je suis en train de me demander pourquoi est-ce que Flowey est en train de péter un plomb. On est en train de faire peur à Flowey quand même, les gens, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est quand même la nana... Qui nous a mis deux... Enfin, non, c'est quand même le monstre qui nous a deux fois mis en PLS dans chacune des premières routes. Enfin, route neutre et route pacifiste. Là, quand même, c'est... On la met dans un coin d'un mur, hein. Sense, t'es là? Sense? Ou pas, peut-être que c'est pas une bonne idée, en fait. Conco chocolat. Oh, Mr. Kawaii, le moment est arrivé. Attention, jugement. C'est parti. T'en as mis du temps, dis-moi. Bon, laisse-moi te poser une simple question. Crois-tu que même la personne la plus ignoble puisse changer? Que n'importe qui peut devenir quelqu'un de bien en y mettant du sien? Très bien alors. Laisse-moi te poser une meilleure question. Tu veux vraiment passer un sale quart d'heure? Oula. Parce que si tu fais encore ne serait-ce qu'un pas en avant, tu vas vraiment t'en mordre les doigts. C'est même pas moi qui bouge! Ouais. Désolé, ma vieille. Voilà pourquoi je promets jamais rien à personne. Je pense qu'avoir fait trois routes, neutre, pacifiste et génocide, je pense qu'honnêtement, ça valait bien ce combat-là. Surtout que son OST existe, hein. Je l'écoute en boucle. Mais je pensais pas que c'était une OST de combat. Wallahi bilay! Salut Paul Keno, bienvenue! On est parti pour un combat de folie! Enfin, je l'espère. Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. C'est par des jours comme ça qu'un mioche comme toi, comme moi, devrait brûler en enfer. Oh my god! Oh my. Quoi?
Je suppose que c'était prévisible. Hein, n'importe qui lance le combat pour la première fois, il est obligé de te la manger, celle-là. Hein, on est d'accord. Non, attends. Attends. Waouh. 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 Je vais avoir droit à la discussion encore ou on passe directement au menu? Waouh. Lu. T'as l'air en pétard, dis-moi. Faut croire que je fais du bon boulot. T'en dis quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Belle journée, là, dehors. Allez, fini de parler. On passe à la casserole. Mais comment je vais faire? Aïe, 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 aïe. Oh bordel. Oh bordel, oh bordel, oh bordel. Oh bordel, oh bordel. Bordel. Non. Comment je vais faire ça? Kazmeuf fait I love it. 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 Je sais pas si c'est de ça qu'on parle, mais... Tu vas le voir le game over, je te le dis. Ah bah oui. Bah oui. Tu veux que je compte le nombre de morts? Ah bah tout à fait, tout à fait. Non mais commencez à compter là, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Non, je veux faire les comptes moi de tout ça. Parce qu'après faudra retirer les intérêts, retirer l'argent qu'il me doit, tout ça, tout ça. Non, c'est très important. Très important. Ok. Bon, question, est-ce que... Non, 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 en fait, je veux pas savoir. Non, je veux pas savoir. J'avais posé une question un peu idiote. J'avais demandé si c'est un vrai combat ou juste de esquive, mais je ne veux pas de réponse. La première personne qui répond, je demande au modo, je veux bloquer. De quoi? Parce que j'avais posé la question si c'était un vrai combat ou si ça constitait. Enfin, si ça constitait qu'à esquiver. Mais en fait, je veux pas de réponse. Je préfère découvrir. Et du coup, je dis, si jamais quelqu'un le dit alors que j'ai dit non, les modos, vous pouvez faire votre taf. Donc, on est parti, deux morts. On compte pas la première. La première, c'était une demi-mort. Une demi-mort, je savais pas. Moi, je m'attendais à d'abord attaquer. C'était une demi-molle. Ça va, toi, derrière. Hein. Ah, ta ta pa 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 pa. Ouais. J'ai tenu. Je me suis toujours demandé pourquoi personne démarrait par un coup fatal. D'accord. Ah, t'es comme ça. Oh, je vois le délire! Oh là là! What? 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 Mais t'es un grand malade! Mais c'est un psychopathe! Touche! Quoi? Quoi? Tu croyais que j'allais rester planté là à manger tes coups? Mais c'est un fou! Mais il est génial! Enfin, il est... Non, c'est pas bien! C'est pas bien! Non, c'est pas bien, les enfants, faites pas ça chez vous! Non, mais il est génial comme boss! C'est le seul qui a compris le game, c'est le seul qui a compris qu'il était sur un écran où il avait la possibilité de bouger. C'est génial. C'est génial, moi je trouve ça excellent. On va mourir en boucle là, mais c'est génial. Ah par contre ouais, la musique elle est goldée, la musique elle est... La musique elle est... Oh là là. Bon, on est parti. Non. Wahouh. Wahouh. Ah blanc. Bon, j'ai plus de points de vie que tout à l'heure, c'est pas pour autant que je me débrouille mieux, hein. Je pense que ça se voit. Je suis en train de mourir à petit feu ou c'est moi? Ah, je suis en train de mourir à petit feu. Je suis empoisonné. Mais alors... Mais je meurs tout seul. Mais c'est même pas drôle. Ah, c'est bon. Ah mais non, du coup... Ah, blanc. Ok, je m'attendais vraiment à une arnaque sur la fin. Touche! Comment tu veux faire? Quoi, tu croyais que j'allais rester là planté à manger tes coups? Wouh! 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 Il est génial! Est-ce que je dois pas le prévoir? Genre, me mettre... Enfin, comment dire, mettre mon coup à gauche pour justement éviter qu'il l'esquive. What? Mais c'est une merde! Hein? Oh le sac! Oh c'est génial son combat! C'est excellent! On dirait que tu te tenais au moment où il y a plein d'os. Non mais c'est ça! Tu sens que tu as passé de nombreuses heures dessus. Bah... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Vous m'avez dit la même chose pour Undine. Vous m'avez dit que certains avaient passé 5 heures dessus. Honnêtement, sans mentir, on a passé une heure, pas plus. Après, on peut pas savoir. Faut pas savoir, je sais même pas comment on gagne, je sais même pas comment on attaque. Je vais essayer.
d'attaquer un peu plus loin que prévu, voir si jamais il saute dedans. Attends, c'est moi ou son dialogue a changé? Bah, de toute façon, je m'en servirai plus, pas vrai? Il a compté mes morts, le sac! Ta 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 pa 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 bala bala pa 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 bala bala pa 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 bala bala pa pa pa. Touche! Oh le! Moi je pensais que ça allait faire un coup au niveau de là où j'ai mis! Olé! 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 Non! Non! Eh, c'est pas évident, hein! Oui! 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 Skadouche! Mais quel enfaros! Nos rapports indiquent une anomalie dans le continuum espace-temps. Les lignes temporelles s'entremêlent et s'arrêtent et repartent. Oui! Non! Attends, j'arrive pas à les... Ah, changer. Nya. Faut que je sache ça commence par laquelle, en fait, parce que j'ai toujours l'impression que ça commence par la petite. Je veux savoir jusque quand je dois résister sans attaquer. Nya! Nya! Ok, on a survécu. Nya! Jusqu'à ce que soudainement tout prenne fin. Nani! 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 Oh là là! Oh là là! Oh là! Oh là! Ouah! Quoi? Quoi? Comment t'esquives ça? Nya! What? Attends, parce que j'entends pas du tout. Oh, yaya. En fait, je pense que je suis monté pour rien, tu pouvais juste rester en bas. Kazma, examine-le. D'accord. Attendez. Action examinée. Attaque 1. Attaque 1, défense 1. L'ennemi le plus faible n'inflige qu'un point de dégâts. Il ne peut pas esquiver éternellement. Continue d'attaquer. D'accord. Oh, ok, donc c'est que de l'esquive jusqu'au moment où il va craquer. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Si, j'aime bien. Il fait drôle de bruit ce Pokémon. On parle de moi ou on parle de lui? Parce que je suis un drôle de Pokémon. Ah, j'aime bien. Non, j'aime bien celui-là. Tu vois, par rapport à Undine, il me motive. Il me motive parce que... je sais pas, c'est intéressant. Alors attention, Undine m'a motivé quand je l'ai affronté pour de vrai. Par contre, la première fois qu'on est tombé dessus, je dois avouer que... c'était pas le moment, honnêtement, c'était pas le moment où j'avais envie d'affronter un boss. C'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 5 fois de suite. Mais il se la pète en plus! T'as vu ça? J'ai juste assez de doigts pour les compter. Mais à ce rythme... À ce rythme, tu te la pètes. On y retourne. Oui! Attends. Donc tu m'as dit quoi? On te dit de lire tous les textes à chaque fois que tu meurs. Tous les textes. Ah d'accord, parce que ça va changer, ok. Bon, je suppose qu'ils ont prévu que tu meurs assez souvent. Ça doit être pour ça. Mince! Du coup, j'ai fait une bêtise. Oh, vous me faites faire des bêtises. Je voulais me rendre de la vie. Bah oui. Bon. Je n'écoute personne. Ni les modos, ni les fans, ni les gens qui regardent. C'est la concentration ultime. Ce n'est pas encore fini. Oh, j'avais pas vu ces textes-là aussi. Ils changent. Kazma, garde ta déterre. Ta-ta-ta-ta. Du coup, est-ce qu'il va me faire la même chose avec ses 6 doigts? Ok, on est parti. Putain, c'est triste parce que honnêtement, la 5ème, là, je la comptais pas. Parce que vraiment, j'ai pas eu la pression de jouer. Bien. Concentration. Cette expression. C'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 6 fois de suite. C'est pile le nombre de doigts qu'on trouverait sur une main mutante. Pff, sérieux. Mais à ce rythme, j'ai presque envie de mourir exprès pour qu'ils m'en disent encore des conneries. C'est terrible quand même. Hein. Attendez. Ouh. Je me félicite, c'est la plus belle que j'ai fait. Ok, vous voulez plus de son? Plus de son. Ah, celle-là. Vous allez pas la voler. C'est parti. Match d'esquive. Fight.
J'avoue un peu déçu, mais faut quand même reconnaître que j'ai chié pas mal de phases, honnêtement. Fais un rond, comment ça fait un rond? Conseil, si tu l'attaques pas et que tu ne fais pas que... Ah d'accord, le combat avance pas. Mais faut le dire, moi je pensais qu'il fallait juste tenir jusqu'à un moment où il va nous dire « Stop, je peux plus !» ou un craquage comme ça. Ok. La musique, c'est pas celle de Sense. T'as enlevé Fufu des modos ? Oui, je l'ai retiré tout à l'heure. Ah. Oui, Fufu, c'est moi qui t'ai retiré. Parce que vu que t'es jamais là, il fallait de la place pour les autres modos. Oui, du calme, Fufu, du calme. On est reparti. Cette expression. C'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 7 fois de suite. Eh, pas mal, c'est un numéro porte-bonheur, non ? Qui sait, peut-être même que t'auras droit à un jackpot. Ok, double son, on est parti pour s'exploser les oreilles. De toute façon, je pense que là, je vous expose déjà une oreille avec la sono à fond. C'est parti, mais what ? Ok, on recommence. Je compte pas cette mort. Parce que dès le début, je me suis foiré. J'ai les mains moites, c'est rare! Ok. Bye Paul, bye à ceux qui s'en vont! Ok. Ah, Fufu, t'es relou! Heureuse. Bien. Il est relou le Fufu, hein. Fufu, c'est comme un chat, tu sais. Si jamais il a pas ce qu'il veut, il t'emmerde toute la journée. Cette expression. C'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 8 fois de suite. J'ai dit qu'on la comptait pas. Toi-même, tu le sais. Non mais. C'est le nombre de doigts sur une araignée. Mais à ce rythme... Par contre, attends. Je préférais avoir du son... Voilà. Dans l'oreille de gauche. Ok. Je comprends pas comment tu gères le début en fait, parce que j'essaye de me retenir mais je tombe quand même, donc je comprends pas comment tu gères. Bottom de l'air. Ah mais... Ah! Ah! Ah mais non! Putain. Ah, c'est catastrophe. Ah, j'ai l'abusé sur mes carreaux. De quoi? Tu rigoles. Ah bon? Oui. J'ai toujours rigolé comme ça. Bah, vous allez pas commencer avec les allusions à la Bob Lennon, non mais... Non, mais justement, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, non mais parce que maintenant, ça y est, on va dire que je fais tout comme Bob. Non mais attends, c'est quoi ça? Par contre, attends, voilà. Mais... J'étais dit non. Attendez, ça fait 2 morts de suite que j'ai pas l'occasion de jouer. Bon, au moins, on débloque un peu le blabla, mais... Ouais, Fufu, ouais. Tu me l'as fait pas, moi. On est parti. Cette expression, c'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 7 fois de suite. Ah, il a compris. Oula, attends. C'était bien 9, en fait. Désolé. À moins que ça ne soit 10. Mais quel sac! Quel sac. J'aimerais bien gérer au moins la première attaque. Oh, c'est bon. Enfin, gérer, au moins me lever quand on m'en donne l'occasion, parce que je comprenais pas comment on faisait. C'est parti. Elle est terrible cette attaque, hein. Non mais c'est terrible. Non! Non! C'est de pire en pire. Nos rapports indiquent qu'une anomalie dans le continuum espace-temps, ligne temporelle s'entremêle, s'arrête et repart. Seulement si je survis à cette attaque, je me rends de la vie. Ok. Bon. J'ai mérité de me rendre de la vie. Nouille instant! Oui! Mince!
Ah! Cadouche! Jusqu'à ce que soudainement tout prenne fin. Nya, 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 je me laisse tomber. Ah, ouh, ouh, c'était joli. Nya. C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas de qui il parle. Oh la vache. Dans la mer, tu prends. Mais gâchère. Je viens de remarquer qu'en fait, il n'y avait pas besoin de sauter dans cette phase. C'est moi ou pas? Bon, Kazuma, va réviser tes patterns tout de suite dans ta chambre. N'oublie pas les provisions pour le pique-nique avec Sense. Mais maman, mais je veux pas. Je veux combattre. Alors attends, parce que il y a encore 2 secondes. Je voyais pas. Ah, l'intérêt de ce truc. Ah, blablabla. Parce que j'ai l'impression qu'il pouvait pas aller en bas. Mais si, il peut aller en bas. Si seulement tu savais ce que ça fait. Ah, si, quand même. Ah, blablabla. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que t'as pas besoin. Ah, mais ce truc-là, c'est le pire. Enfin, pour moi. De savoir qu'un beau jour, sans prévenir, tout allait être remis à zéro. Ah! Ah, n'est-il pas? Tu ne peux pas abandonner maintenant. Kazuma, garde ta déter. Bon. On est arrivé à un chiffre symbolique. Qui c'est qui a dit 11 morts? On en est à 10 morts. On est à 10 morts, commencez pas à m'inventer des morts, non mais... Déjà que pour certaines, j'ai dit que je les comptais pas parce que pour moi, c'était du saut au casse-pipe. Mais alors là... Mais il m'invente des morts, c'est Loupio. Mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Cette expression, c'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 10 fois de suite. Hey, pas mal, on passe à 2 chiffres. Allez, on n'a plus qu'à inviter tous ses amis pour fêter ça. On mangera de la tarte, des hot dogs, et... attends un peu, il y a un truc qui va pas. Oui, j'ai pas d'amis. T'as aucun ami. C'est triste qu'il le dit. Haya, mais non. J'arrive pas à m'y faire à l'attaque du début, hein, c'est terrible. Je l'ai réussi une fois. Et depuis, plus jamais. Haya! 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 Bordel! Un jour, j'y arriverai. Haya! Coup de katana! C'est parti! Mais non! Ok, je vais recommencer. Je sais pas pourquoi je bouge toujours quand je vois cette attaque. Alors que je sais qu'il faut pas que je bouge. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de bouger. Ça a changé ça, non? C'était pas la mer à ce moment? Enfin, le petit canoë, là? J'ai un gros doute. Nya! 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 Je l'ai devancé. Allez, 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 allez. Fais progresser ton dialogue. Sois gentil. Nya! Nya, nya, nya. Non, jamais. Tu ne mourras pas. Nya. Ah mais j'y crois pas. Je cours moins vite. Je suis obligé de sauter en fait. Ah bordel. Non, jamais. La tarte. Ah mais ça c'est bien. Le truc que je comprends jamais. Ah bordel. Nya! Si seulement tu savais ce que ça fait. Ah non, non! Je me suis... Je suis parti de base très mal. Parce que je sais pas, mais je me suis senti partir très mal. Vous mangez le Glamburger. Pourquoi j'ai mangé ce truc en fait? Enfin genre... Ça sert à rien. Ah non! Je vais mourir. Et le regret... Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Mon bonhomme de neige. Oula, oula, oula. Ok, je me suis synchronisé. C'est pas évident, hein. Nya. De savoir qu'un beau jour, sans prévenir, tout allait être remis à zéro.
Non. Voilà. Voilà, il est Tu sais, ça fait un bail que j'ai arrêté de m'en soucier. Je me bouffe une attaque sur deux. Et l'idée de remonter ça à la surface, ça m'emballe plus trop. Bon, bah écoute. Let's go. Ah, moi je peux le refaire encore 10 fois, hein, je le trouve génial. Après tout, même si on y arrivait, on finirait de nouveau ici sans le moindre souvenir, je me trompe. Oh, il le sait, il le sait, il le sait. Il le sait. C'est lui, mon pire ennemi. Nya-ha. À un point de vie. Je vais être franc, ça me donne vraiment pas envie de m'y coller à fond. Haya. Haya. Ah mince. Non, j'étais à fond. Salut Nightmare, c'est la personne qui arrive. Ne perds pas... ne perds pas espoir. Garde ta déter. Oh, j'étais à fond, je suis déçu. Je suis déçu. Oh, j'étais à fond, c'est pas pour autant que j'étais bon, hein, attention. On est reparti. 11e fois. Je vois déjà les menteurs venir. 11e fois. Coucou à ceux qui arrivent. Cette expression, c'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 11 fois de suite. Plus ou moins. C'est pas une science exacte. Je te préviens, je pense pas pouvoir compter parfaitement après ça. Je te laisse t'en charger, ok? Et on commence à 12. Oh. C'est-à-dire que là, c'est la fin. Ok. La première attaque, c'est la pire. Parce que je la vois toujours partir dans l'autre sens, je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai toujours l'impression qu'elle va faire l'inverse de ce qu'elle fait. On repart bien. Ah merde. Quand je vous dis que je sais qu'il faut pas bouger, mais que je bouge quand même. Parce que j'ai la réaction au même moment que ça arrive. Ok, là c'est les deux barres. Je bouge pas. Enfin, je bouge pas. Si, je bouge, mais... Nya. Haya! Haya! Je me suis coincé dans un poteau. Il avançait, j'avançais avec lui. Du coup, je perdais toute ma vie. Ah, je suis dégoûté. Tu pourras faire Spider-Man PS4. Le nouveau? Bah, seulement si il vaut le coup d'être fait. Honnêtement, j'en attends beaucoup de celui-là. Alors, c'est totalement sujet, hein, mais j'en attends beaucoup parce qu'en plus, c'est par les mecs qui ont fait Ratchet & Clank. Et il avait l'air d'être très très bon. Il avait l'air. Maintenant, après, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont l'air et puis... qui ne le sont pas vraiment. Bien. J'ai bien compris que Sense... ne comptez plus et que du coup c'était à moi de le faire. Ah, plutôt à vous de le faire. Et c'est parti. Oui. Non. Nya. Non. Mais c'est terrible. En fait, je devrais pas faire ça. Oui.
Nya. Très classe. Dommage. J'ai fait du caca sur cette phase. Ah mais cette phase c'est terrible. L'une des pires. Ah, dommage. Vous suivez ? Après tout, même si on y arrivait, on finirait de nouveau ici, sans le moindre souvenir, je me trompe ? Ah blablabla ! Ah blablabla ! J'aurais pas dû parler ! Je me suis déconcentré ! Bien ! Alors attention, on arrive à une phase plus ou moins... qu'on découvre. On en a à peu près là. C'est parti. Nya! Je vais être franc, ça me donne vraiment pas envie de m'y donner à fond. Nya! 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 Ou bien, je cherche encore une excuse pour me la couler douce. Va savoir. Je crois qu'on en était là en fait. Ouais, y'a moyen. Acha! Oh! Tout ce que je sais, c'est que... Quoi? C'est que vu qu'il doit arriver, je peux pas rester les bras croisés plus longtemps. Nya! 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 Est-ce qu'il va me faire que les mêmes attaques du coup là? C'est le moment blabla moral? Ok Sense, on t'écoute! Dis-nous ce que tu peux... C'est tout? Attends, je reste concentré quand même. Alors, cela dit, T'as eu l'air d'aimer ça, hein? Agiter ce truc dans tous les sens. Bah, c'était plutôt sympa, ouais. Bon, écoute. Je sais bien que tu m'as pas répondu tout à l'heure. Mais je peux encore le sentir là-dedans. Une faible trace de bonté au fond de toi. Les souvenirs d'une personne qui voulait faire le bien. Quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, aurait même pu faire partie de mes amis. Allez, camarade. Tu te souviens de moi? S'il te plaît, si tu m'entends. Oublions tout ce bazar, d'accord? Dépose simplement les armes et... Disons que ça me facilitera grandement la tâche. Alors, on y est, attention à une phase plutôt importante, je pense. Honnêtement, je sens qu'on a fait que la moitié. Honnêtement, je sens qu'une fois ça passé, si on l'attaque, je m'attends à une deuxième phase en mode sense. Tout ce que tu veux. Il a l'air beau et bien, mais on est sûr de rien. Épargne, ne l'épargne pas. Mais décidez-vous ! Épargne. Non. Il va te tuer si tu le pardonnes. Dur. Go épargner. Quoi? Attends.
Caisse d'épargne. Il a tout compris, lui. Mais what? T'es en genou, il parle pas. On est d'accord. Mais quel sac! Bon, bah au moins j'aurais essayé. Ok. M'en doutais. On est reparti. Faut croire que tu préfères la manière forte, hein. Tu sens tes péchés peser sur ton dos. Je m'en doutais. Je m'y attendais à une face comme ça. Je savais que c'était pas fini. Il est fou. Il est fou. Il est juste fou. Il est fou, la flelou. Psychopatate. Psychopatate. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah là 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 là. Waouh. Wouhou. Non. Je m'en doutais. Purée, je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. S'il aurait épargné, il t'aurait descendu. Prochaine fois, t'aimes pas. T'es... Ah, prochaine fois, t'épargnes. Hein. On verra. Mais ça invente des morts en plus. Non, non, on en est à 13. On en est à 13. Maintenant, épargne. Vas-y, Sense. Mais j'y crois pas, mais ils sont tous contre moi. La difficulté est à son comble. Venons-en au fait. Good luck pour le refaire. Oh, j'ai fait un bon début. Ça pour moi c'est un bon début hein. C'est parti. Vous allez rire hein, mais limite je préfère ça en fait. Hey, 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 hey. Par contre ce qui est compliqué c'est que quand tu t'habitues à quelque chose de fort, tout de suite quand tu reviens sur du plus lent, c'est un peu dur. Je m'en suis souvenu. Ah, je m'en suis souvenu, mais ça m'a pas empêché de faire la bêtise. C'est reparti. Aïe! Mais mince! Je pensais que c'était la mer. Ah! Je pensais que c'était la mer. Ah, je suis déçu. Voilà, je pensais que c'était ça. J'oublie toujours la phase d'avant. Haya! 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 Ha! Ha ha! Oh! Mais non! Ah, c'est chiant ça! Quand ça va à l'opposé de toi, ça bouffe toute ta vie! Aïe, 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 aïe. Je suis mauvais. Wouhou! Non! J'ai sauté dedans! Je voulais pas! Ok, mes réflexes, ils commencent à me dire fuck. Comme ma langue. Ça a pu. Si jamais on meurt à celle-là, on fait une petite pause. Je pense qu'on en aura tous besoin. Waouh. Je pensais pas qu'il la faisait deux fois celle-là. Ah bah oui, je l'attaque plus, mince. Mince, ma faute, mince. Oh, au pire, c'est pas grave. Je vois que ça donne beaucoup d'astuces, mais bon, pour les voir, bof. Aïe! Je suis là! Je suis divine!
et prêt à tout pour me battre. Haya! Haya! Non! Haya! Ah blablabla! Non! Ah mais dès que tu te failles une fois, c'est fini quoi. Haya! 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 J'aimerais au moins revenir jusqu'à la phase d'épargnement, savoir un peu comment ça se passe. Elle est ridicule cette attaque. Hi, non! Je pensais que c'était le dernier poteau. Ah, j'y arriverai pas. Ça va être dur. Ah! Bien! Honnêtement, avec 28 points de vie, on l'a pas. Allez! Ça vous fait plaisir, vous voulez qu'on l'épargne. On va l'épargner. Tu comptais m'épargner là? Pas trop tôt! Mon pote, mon poteau, je sais à quel point ça te coûte de faire un choix pareil. De tirer un trait sur tout ce que t'as fait jusque là. Je veux que tu saches que ce sera pas en vain. Trois petits points. Allez, viens par là poteau, il va me tuer. Je m'en doutais. La fin troll avec la musique Timmy en plus. Oh, Oulid, si on est vraiment potes, tu te repointeras pas. Comment ça parle mal?